Hey à tout le monde, ici Dandiva, ici aujourd'hui on se retrouve avec ce magnifique vol de rack qui me prenne en proie, écoutez. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui on va faire une quête qui est accueil glacial. Tout simplement. Alors, au début je voulais faire une autre quête. Mais au final, le jeu il m'a un peu dit non, il m'a un peu chié dans le cou. Parce que ouais, je savais pas qu'il fallait ça, il fallait un certain prérequis qui est la quête d'un accueil glacial. La quête est activée et montrée du moins quand on va là. Voilà, The Fridge. Mais en fait, il faut la débloquer pour de vrai en parlant à un scooter en faisant l'une de ces trois quêtes. Mais attendez. Ah, la prochaine fois. On est prêt à t'affronter, Jack. On va faire les quêtes du Fridge. Je vais juste vérifier vite fait. Pour cela, il va y avoir 4, il me semble, quêtes à The Fridge d'affilée. Et c'est très intéressant. Ça me désole de Non. solliciter votre aide. Non. On dirait un enfant. Non. Non. Ça me fait rire les gens qui disent non comme ça d'un air très 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 pur. J'ai du boulot pour toi. Voilà. On a fait l'une des quêtes. On va faire en premier lieu accueil glacial. T'as vu ma copine Lani? Elle est parfaite, blonde, sexy, cousine très éloignée, sexy aussi. Mais ces rats d'égout lui ont tourné la tête. Faut que tu la sortes de cette connerie de cannibalisme. Je veux pas me faire mordre. Apporte-lui ses fleurs préférées et à bouffer. Et je suis sûr qu'elle redeviendra elle-même et qu'elle arrêtera de mordre. Ça oh, et si tu trouves des magazines de cul, mais par hasard, hein, comme ça, en te baladant, eh ben, rapporte-les-moi. Ok. Je trouve que c'est un putain de bon perso en VF. Mais la VO de Scooter est bizarre, je trouve. Il parle vraiment avec un accent très... Je sais pas, étrange en fait. C'est pas un vrai accent de scooter mécano, ce que tu veux. Déjà, il dit pas autolock, mais catch ride. Alors, des magazines de cul. Du cul chic. Fatalité quoi. Voilà, c'est le moment où vous passez 20 minutes à chercher des magazines de cul, même pas pour nous. Ah non, c'est bon, ils sont là. Les magazines de cul de Pandore, ils ont l'air bien. Hein. Oh là là. Il y a des femmes avec des bonnets militaires. Et c'est pas du dé. Je n'assume pas cette blague. Alors, je viens ici, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ici, on va chercher des bouts de pizza. Fuck, j'ai raté. Ah non, c'est un peu plus tard les bouts de pizza. En train de lui faire du 1 mais 20 000 fois. Les racks sont buggés du cul. Je vais même pas les buter. Je vais même pas les buter. Je vais même pas vous buter. Voilà, c'est fait. Ah.
Non, non, j'ai pas envie de te tuer. Dixit en te rentrant X nombre de coups de couteau dans le bide. On s'en paye une tranche. Il vaudra plus de chair humaine quand elle sentira ses parts de pizza. Mais pourquoi devenir cannibale tant qu'il reste de la pizza? Y a pas tort. Hein. Même si cependant, je suis pas non plus le plus grand fan de pizza du monde. Tu vas arrêter de me casser les couilles. Mais ta race. T'as tout ce qu'il faut pour désenvoûter l'année. Oui, le vieux scooter aussi a du vocabulaire. Vite fait quoi. Faire ça, juste sauter, me prendre des coups à l'arrière, ça, ça me donne des speed boost. La pizza, si gentil à toi de m'apporter des cadeaux, je devrais peut-être quitter les rats d'égout. C'est bien elle, je savais que tu reviendrais un jour ou l'autre. C'était ce scooter. Pourquoi tu crois que je suis parti d'ici? Je suis allé où? L'endroit où Scooter pouvait plus me faire d'avance. Oh, il drague si mal que ça. Alors là, du coup, faut que je tue Lani. Mais j'aimerais bien faire un de ses succès. En gros, il faut la tuer avant qu'elle invoque. Oui, bon, c'est raté. Hein. Ces méchancetés, c'est à cause de sa transformation en rat d'égout. Et pas parce que je suis trop chiant comme mec. C'est mieux pour tout le monde. Au moins, on aura essayé. Bon, allez, reviens. Ok, je reviens. Ah oui, du coup, là, il y a des... Des nains, tout simplement, des nabos. Et ces nabos sont des références à Blanche-Neige. Il y a le slash, le slash. Slash. Le. Je sais pas parler, racaille. Vous voyez, il y a 7 lits, un lit double. Lui, c'est Rapia. On vient de tuer Rapia. Et Krenios. Je crois que c'est le 7ème. Hein. Oh, nice, une nouvelle couleur. Note à moi-même, faire le place dans mon inventaire. L'inventaire du terre-terre. L'inventaire du terre-terre. Alors là, du coup, on va vendre de la merde. Genre ça. Ça, c'est de la merde. On s'en fout vraiment fort de Minecraft. Ça aussi, c'est devenu de la merde. Ça, on s'en branle. Ça, c'est nul. Ça, c'est... Ensuite, on vend tout. Autolock.
La fastball devient vraiment pourrie. Mais vous voyez, on s'en est servi pendant 10 niveaux. C'est ça la magie des objets légendaires. C'est que genre, ils peuvent se durer 20 ni enfin 10 niveaux quoi. Du moins, quand vous êtes level 10. Pas après. Bien. Bah du coup, ce sera tout pour un accueil glacial. Donc on va juste rendre la quête. On va lire le petit texte de fin et ce sera tout pour cet épisode. Ensuite on s'attaquera sur cours sur pattes, je pense. Délaver le cerveau de sa copine préférée de Scooter. Il semblerait que Lani préfère une vie de solitude et de cannibalisme à une seule minute de plus passée en compagnie de Scooter ou de ses amis. Putain de rat d'égout, mais putain de rat d'égout! J'étais enfin sur le point de conclure, merde! J'aimerais bien conclure un jour!